et dans toutes les plaidoiries ou pièces de procédure par devant les tribunaux émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l'autorité du présent acte et par devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec. Il pourra être fait également usage à la faculté de l'une ou l'autre de ces langues. Les actes du Parlement du Canada et de la législature devront être imprimés et publiés dans ces deux langues. Bon, vous remarquez que ça n'oblige que le Québec et le fédéral. Au Nouveau-Brunswick, on va approuver une loi qui va faire de la province une province bilingue, mais un bilinguisme qui n'est pas toujours respecté. Il y a deux secteurs qui sont conjoints, c'est l'immigration et l'agriculture. L'agriculture, donc, relève aussi bien du fédéral que des provinces, et l'immigration relève du fédéral et des provinces, mais pendant très longtemps. Les provinces, le Québec entre autres, va s'en remettre au gouvernement fédéral. On essaierait quand même, dans les années 1880, avec Fabre à Paris, d'essayer d'avoir une certaine immigration française, francophone. Mais il faudra attendre. On prend une pause peut-être de 10 minutes. OK. Oui. On finit l'année sans avoir fini la période qu'on devait couvrir. On va faire une petite période de questions vers la fin, peut-être 15-20 minutes, une demi-heure. Il faudrait terminer peut-être pour 9h30 notre séance d'aujourd'hui. J'aimerais vous inviter, vous convier chaleureusement dans deux semaines pour notre prochain rendez-vous Identité québécoise avec la conférence de M. René-Marcel Sauvé. Je ne sais pas si vous étiez là il y a deux semaines lors de la conférence de M. Turp. Il y avait un homme qui nous entretenait de ses tactiques militaires, qui disait qu'il s'était entraîné au Canada anglais, chez la reine, puis qu'il était venu travailler pour nous. Alors, c'est lui, M. Sauvé. Il va être là dans deux semaines. Il va venir nous parler de son bouquin « Géopolitique et avenir du Québec ». Donc, c'est le 10, mercredi le 10. Octobre, à 7h, toujours ici, au Café Lubu. Alors, on espère vous voir en grand nombre. J'espère que vous avez une belle soirée. Monsieur Lacourcière va terminer, comme il disait, avec la Confédération en 67, et puis une courte période de questions. Je vous demanderai, au niveau des périodes de questions, de lever la main. Je vais indiquer les gens pour pas que ça devienne un free-for-all, comme on dit en bon portugais. Et comme ça, ben, on va pouvoir avoir tout le monde aura l'occasion de poser sa question. Bonne soirée. Vous remarquez que le partage des pouvoirs, on a l'impression qu'on est dans une vraie confédération ou une fédération, alors que John McDonnell, lui, préconisait une union législative, c'est-à-dire que lui, ce qu'il aurait souhaité, c'est qu'on ait qu'un seul gouvernement et sans gouvernement provinciaux. C'est toujours encore le même problème, si vous suivez un peu l'évolution politique. Il y a toujours tendance, le fédéral a toujours tendance à centraliser de plus en plus et à laisser de moins en moins de pouvoir aux provinces. Sauf que le Québec, parfois, réagit. Actuellement, l'Alberta et la Terre-Neuve réagissent peut-être encore plus que le Québec réagit. Et si on veut plonger, quelqu'un voulait qu'on plonge peut-être un peu dans le présent, Et j'ai l'impression qu'il faut se méfier peut-être plus de Terre-Neuve et de l'Alberta comme étant des provinces qui peuvent devenir sécessionnistes que du Québec. En Alberta, il y a même actuellement un parti séparatiste qui devient de plus en plus présent sans nécessairement qu'il y ait une très forte représentativité. Mais ça montre au moins qu'il y a une contestation assez forte de certaines intrusions du fédéral, mais souvent, actuellement, c'est relié beaucoup plus au niveau des richesses naturelles. Et dans la Confédération, dans l'acte du British North America Act, on avait l'article 109 qui précisait que les ressources naturelles étaient concédées aux provinces. Et on disait « Toutes les terres, mines, minéraux et réserves royales appartenant aux différentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick lors de l'Union, et toutes les sommes d'argent alors dues et payables pour ces terres, mines, minéraux et réserves royales, appartiendront aux différentes provinces d'Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick, dans lesquelles ils sont si et situés ou exigibles et restant toujours soumis aux charges dont ils sont grévés, ainsi qu'à tous les intérêts autres que ceux que peut y avoir la province. » Et nécessairement,
il va y avoir la question ferroviaire, parce qu'on a toujours dit que la Confédération était née du problème ferroviaire. On a voulu, d'ailleurs, quand la Colombie-Britannique va vouloir entrer dans la Confédération, elle va exiger d'être reliée au reste du Canada par un chemin de fer. C'est la banque... Comment s'appelle la principale banque britannique? Baring. Et c'est la banque Baring qui avait financé les compagnies ferroviaires, et la banque Baring demandait à ce moment-là à ce qu'il y ait un genre d'union des provinces pour avoir une meilleure garantie. Quelles sont les raisons qui peuvent justifier le fait que les colonies et que l'Angleterre, d'ailleurs, favorise d'une certaine façon la réunion de ces colonies nord-américaines? Ben, il ne faut pas oublier qu'en Angleterre, à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelait les « Little Englanders » et d'autres qui s'appelaient les « Glitter Englanders ». C'est-à-dire qu'il y en avait qui préconisaient une extension de l'Empire britannique et d'autres qui disaient que l'Angleterre devait plutôt se replier sur elle-même et laisser tomber une partie de son empire. Or, il ne faut pas oublier qu'en de 1861 à 1864, ce sera la guerre de sécession aux États-Unis. Il ne faut pas oublier aussi que l'Angleterre songe à retirer ses troupes de ses colonies, ce qu'elle va faire en 1871. Il y avait tout le problème ferroviaire à financer. Il y avait aussi certains hommes politiques canadiens, entre autres John A. Macdonald et George Étienne Cartier, qui espéraient jouer sur une scène politique beaucoup plus large. Toutes ces raisons-là expliquent peut-être pourquoi, entre 1864 et 1867, on va marcher vers l'union des colonies. Il y aura des réticences. Il y aura l'île du Prince-Édouard qui, elle, n'est pas très intéressée. Terre-Neuve, l'Angleterre n'est pas intéressée encore à la laisser aller, tout simplement parce qu'elle a besoin d'une base maritime. Il y a la Hudson Bay Company qui a des territoires énormes, immenses, qui couvrent les actuelles provinces en bonne partie du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, que le Canada va acheter deux ans plus tard, en 1869. Et la Colombie-Britannique, elle, va entrer dans la Confédération en 1871. C'est des liens qu'elle veut avoir avec le reste du continent britannique nord-américain. Or, en 1869, le Canada achète donc les territoires de la Hudson Bay Company. Et comme on veut continuer le chemin de fer, on va donc, à ce moment-là, arpenter des terres, mais en tenant pas compte de ceux qui les occupent, de ceux qui les habitent. Et on va vouloir établir des nouveaux modes de concession des terres sans tenir compte du fait qu'il y a beaucoup de métis qui occupent ces terres-là. Et les arpenteurs ne jugera pas bon de respecter l'occupation qui est déjà là depuis... plusieurs décennies. Et la Chambre des communes du Canada commence à étudier le 2 mai 1870 un projet de loi ayant pour objet d'établir et de constituer, c'est le titre, le gouvernement de la province de Manitoba. Cartier précise que certains points de la législation soumise à l'approbation des députés, le Manitoba, dit-il, est la clé des territoires du Nord-Ouest. Il restera en dehors de ses frontières de vastes contrées où l'on pourra créer plus tard des provinces. Et il importe que son mécanisme politique soit aussi parfait que possible. Le nom indien qu'on lui a donné et qui est très euphonique veut dire « le Dieu qui parle ». Eh bien, ajoute Cartier, que cette nouvelle province, le territoire est inconnu sous la Constitution anglaise, parle toujours à tous les habitants du Nord-Ouest le même langage de la raison, de la vérité et de la justice. Et là, l'orateur... Cartier aborde la question des 1 200 000 acres de terre réclamés par les Métis. Et il dit, ces 1 200 000 acres ne seront pas traités comme des réserves indiennes. Ils seront répartis entre les chefs de famille qui pourront ainsi établir leurs enfants. Nous concéderons les autres terres à ceux qui viendront coloniser le pays. Il y a le député de Joliette, qui s'appelle François-Benjamin Godin, qui lui demande si la nouvelle Constitution sera soumise à la ratification des habitants du Nord-Ouest. Et Cartier répond non. Le débat se poursuit jusqu'au 10 mai et les discussions sont parfois assez violentes. Quelques représentants de l'Ontario ne prisent pas le fait que la nouvelle province
est une structure à peu près bilingue. Et Jean et Marcel Amenin écrivent, quand Riel et Mgr Taché ont voulu créer un État biculturel sur la rivière Rouge, les Ontariens se sont raidis devant le spectre d'un Ontario coincé entre deux Québec. Et c'est pour ça que il va y avoir un certain soulèvement qui va être dirigé par Louis Riel. On veut à ce moment-là privilégier le sort des Métis et faire respecter le sort des Métis. On va parler de rebelles, mais Cartier va revenir sur la question de la rébellion. Il va dire « Je n'approuve pas qu'on fait des habitants du Nord-Ouest pas plus que je n'aime les entendre qualifier sans cesse de rebelles et d'insurgés. » Quoi, rebelles? Mais quand donc ont-ils voulu se soustraire à la souveraineté de la reine? Je ne doute pas que leur résistance n'ait été préméditée, mais l'autorité canadienne n'existait pas encore là-bas. La résistance n'a pas eu d'autre effet que de nous empêcher d'exercer le pouvoir créé par l'acte que voilà. Je ne m'arrêterai pas sur les troubles qui ont lieu dans le territoire. Il vaut mieux en effacer toute trace dans la mesure libérale. La population là-bas est éclairée et la conférence de la Rivière Rouge qui a adopté la Déclaration des droits ne souffrirait pas trop, je crois, d'une comparaison avec celle qui s'est tenue il y a quelques années à Québec. Et on pourra donc, à ce moment-là, avoir des écoles séparées, mais en 1890, ces écoles-là vont disparaître. Et là, il va y avoir Wilfrid Laurier qui va intervenir. On va avoir un genre d'entente qui va intervenir 6 ans plus tard. Riel, qui était le chef des Métis, ben, sa tête va être mise à prix et il va quand même réussir à se faire élire député. Et on dit qu'il va prêter serment déguisé, en quelque sorte. Il n'a jamais siégé. Non, il n'a pas pu siéger, bien non. Il a été élu 3 fois, je crois, mais il n'a jamais pu siéger. Il n'a pas pu siéger. Mais il a quand même prêté serment comme député. Oui. Actuellement, là, c'est démontré qu'on a sa signature dans un des documents. La première province à parler d'indépendance, c'est la Nouvelle-Écosse. Dès 1869, la Nouvelle-Écosse songe à se retirer de la Confédération parce qu'elle trouve qu'elle... les subsides qu'on lui vote ne sont pas assez élevés. Mais dès que le fédéral augmente les subsides à la Nouvelle-Écosse, celle-ci rentre dans le temps, dans le rang. Je vais vous le dire, mais le Parti libéral, dirigé par Antoine-Aimé de Rayon, avait demandé qu'il y ait un référendum pour approuver le British North America Act, mais on va dire que les élections de 1867, de juin-juillet 1867, ce sera des élections référendaires. Et à ce moment-là, le clergé catholique va intervenir pour dire aux gens de voter conservateur parce que c'est certainement le gouvernement le meilleur. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, le Parti libéral est un parti rouge, on l'appelle le Parti rouge, et le clergé est contre ce parti-là qui n'est pas quand même très bien structuré parce que c'est des gens qui prônent la liberté d'action, la liberté de parole. Et on aura eu... est-ce que je vous ai parlé de l'affaire Guibord? C'est que à la fin des années 1840, on fonde à Montréal l'Institut canadien. L'Institut canadien, c'est un genre d'université populaire. On a une bibliothèque qui est très bien fournie. On reçoit des journaux de France, d'Angleterre, des États-Unis. On a des livres qui sont à l'index. Et Mgr Bourget demande que ces livres-là soient mis dans une armoire verrouillée et il veut avoir la liste des livres que possède l'Institut canadien. L'Institut canadien, qui est dirigé par des gens à tendance libérale, à ce moment-là refuse. Et Mgr Bourget va décréter l'excommunication contre les membres de l'Institut canadien. Or, il y a à ce moment-là l'imprimeur de l'annuaire de l'Institut canadien, qui est Joseph Guibord, qui a la malheureuse idée de mourir en 1970, donc excommunié, donc il va être privé de sépulture ecclésiastique. Mais, auparavant, en 1852, on avait ouvert le cimetière de la Côte-des-Neiges.
et lui s'est acheté un lot au cimetière de la Côte-des-Neiges pour être enterré là. Or, comme il meurt excommunié, il est donc interdit de sépulture au cimetière de la Côte-des-Neiges. Or, les avocats libéraux vont intenter un procès au clergé, disant que Guibord a le droit d'être enterré dans son lot, le lot qui lui appartient. Le procès va aller jusqu'au Conseil privé de Londres en 1875, qui lui va décréter que Guibord a le droit d'être enterré dans le cimetière de la Côte-des-Neiges. Entre-temps, Mme Guibord, qui était catholique, est décédée. Elle est donc enterrée là sans problème. Et là, le Conseil privé qui décrète que Guibord devrait être enterré au cimetière de la Côte-des-Neiges, Mgr Bourgette réagit et débénit le lot. Dans les journaux à tendance libérale, on trouve ça même dans l'opinion publique, on se demande dans quel sens il va débénir le terrain. Parce qu'on dit, si dans le sens de la largeur, il n'est pas pour punir Mme Guibord, qui est morte catholique. Si c'est dans le sens de la hauteur, jusqu'à quelle profondeur il va débénir, parce qu'à ce moment-là, il n'est quand même pas pour punir les Chinois qui sont en bas. Ah! On va décider, vu que c'est un jugement du Conseil privé, que l'armée va aller déposer la dépouille de Guibord au cimetière de la Côte-des-Neiges, parce qu'entre-temps, on l'a conservé dans le cimetière protestant qui est contigu au cimetière de la Côte-des-Neiges, cimetière catholique. Or, à ce moment-là, l'armée, avec un petit canon, avec ses fusils, va procéder à l'enterrement de Guibord. Et il va y avoir des gens qui vont essayer d'empêcher, parce qu'on va fermer le grillage du cimetière, on va réussir à pénétrer dans le cimetière, et là, on va le déposer dans la fosse, et on va jeter une énorme pierre sur la fosse pour pas que le corps soit profané. Et aller jusqu'à il y a quelques années, il n'y avait aucune indication sur le lot, je pense, une L67, quelque chose comme ça. Et moi, je me rappelle, j'avais été pour Radio-Canada faire un reportage sur la tombe de Guibord. Et je peux vous dire que le technicien, il n'était pas brave. Et aujourd'hui, il y a quand même, on rappelle qu'ici repose le cadavre de Joseph Guibord. Mais ça vous montre un peu l'intransigeance du clergé de l'époque. Il ne faut pas oublier que l'excommunication, c'était non seulement la privation de la sépulture ecclésiastique, mais si un excommunié rentrait dans une église au moment où il y avait un service religieux, on devait interrompre le service religieux et on recommandait aux catholiques d'éviter de fréquenter les excommuniés comme étant des pelés, des galeux. En 1974, au fédéral, on établit le vote secret. Et en 1975, on établit le vote secret au niveau provincial, au niveau québécois. Vous vous rappelez, on se rappelle que en 1792, lors des premières élections, que le vote était ouvert. Est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas là à ce moment-là? Oui. Bien, c'est-à-dire que de 1792 à 1874 au fédéral et en 1975 au Québec, lors des élections, vous deviez vous présenter devant l'officier rapporteur et déclarer à haute et intelligible de voix à qui vous accordiez votre vote. Et à ce moment-là, votre vote était enregistré dans un grand cahier. Et pendant très longtemps, il suffisait que se passe une heure sans voteur pour que le candidat soit déclaré élu. Or, comme il n'y avait pendant très longtemps qu'un seul bureau de votation par circonscription électorale, comme vous saviez fort bien qui était en avance, si votre candidat était en avance, le plus simple, c'était de bloquer les chemins pour qu'il se passe une heure. Et là, c'est le problème des boulets de comté, c'est Joe Montferrand. Et ce qui va faire qu'on va avoir des élections qui vont durer très longtemps. Comme à Montréal, on a une élection partielle en 1832. La votation dure 22 jours. Et c'est le vote, on fait passer les voteurs un par un. Et à la fin, il va y avoir une mini-émeute le lundi. Et l'armée, on va lire l'acte d'émeute que personne n'entend. Et l'armée va tirer sur la foule. Il y a trois Canadiens. Donc, deux Canadiens et un Français qui étaient là, qui vont mourir. Et ça va devenir une des armes du Parti patriote. De 1792 aller jusqu'en 1849, les femmes qui avaient les mêmes qualifications que les hommes avaient le droit de vote. Donc, les femmes n'ont pas obtenu le droit de vote en 1940.
mais bien en 1792, qui, à ce moment-là, mais à partir de 1834, entre autres, Papineau demande en 1834 que les femmes ne votent plus à cause de la violence qui existe dans les élections. Et on dit dans la loi qui établit le bulletin de chaque électeur sera un papier appelé bulletin de vote dans le présent acte, indiquant les noms et la description des candidats inscrits alphabétiquement dans l'ordre de leur nom de famille ou, s'il y a plusieurs candidats du même nom, dans l'ordre de leur prénom. Et là, il y en a qui vont se prononcer contre le vote secret, comme en disant que le vote secret, ça va être une bonne occasion pour voler les élections. Et même Joseph-Adolphe Chapelot, qui représente le comté de Terrebonne, lui se prononce contre le vote secret. Et il dit, on dit que le vote secret est une idée nouvelle et par conséquent un progrès. Mais une idée nouvelle n'est pas toujours un progrès. Et d'ailleurs, ce n'est pas une idée nouvelle. Le vote secret n'empêche pas la corruption. Au contraire, on aura plus honte de se laisser corrompre dès que cela se fait en secret. D'ailleurs, aujourd'hui, les promoteurs même du vote secret reviennent sur leur idée et veulent l'abolition du scrutin. On dit que le scrutin secret empêchera le respect humain de faire voter contre ses convictions. Mais les convictions qui viennent en collision avec le respect humain, c'est-à-dire avec l'opinion publique, ne peuvent être honnêtes et politiques. Il y a un autre député, celui du Saguenay, Pierre-Alexis Tremblay, qui dit « Le but que je me propose en demandant l'adoption du scrutin, c'est de mettre fin à l'intimidation, à la violence, à la corruption. Ce ne sont pas les riches, les puissants qu'il s'agit de protéger, ce sont les pauvres, les ouvriers, les journaliers, enfin, ceux qui sont plus ou moins à la merci des grands propriétaires ou d'hommes à la tête de grandes compagnies. » Et là, il parle des Price qui faisaient du chantage pour forcer les gens à voter pour eux. Et il va y avoir même une chanson qui va être composée à l'époque contre le vote secret. On peut passer aux questions? Oui, la prochaine fois, on commencera avec Riel. D'accord. Riel, oui, Riel. Vous avez entendu aujourd'hui, oui. Par contre, à la Chambre de communes, à plusieurs reprises, on a demandé que Riel ne soit plus considéré comme un traître, mais ça n'a jamais passé. C'est un père de la Confédération, selon les Anglais, qui est intronisé. C'est les Métis. C'est les Métis, ben oui. C'est la France, c'est la France, Manitoba. Au Manitoba, Riel est vraiment le père du Manitoba. C'est ça. Et il va être reconnu, en fait, il va avoir une fête officielle au mois de février de chaque année, là, à partir de... On a dû fixer ça au mois de novembre. Non, c'est le troisième. Le jour où il a été pendu. Il voulait donner un congé de plus en février. Il se demandait comment l'appeler. Ben, c'est-à-dire qu'on l'a appelé, lui, congé Riel, mais... Mais juste une petite phrase pour montrer un peu le climat. Il y a eu plusieurs demandes de Canadiens français pour qu'on gracie Riel, disant qu'il était fou. Mais le premier ministre, John McDonald, a déclaré, même si tous les chiens du Québec jappent, Riel sera pendu. On verra dans quel contexte ça va se passer. Oui? Juste une petite parenthèse. Il était temps, parce que de fait, Guy Barre, c'était pas un anarchiste, il n'était pas anticlérical, rien, mais il était normal qu'on le réhabilite, un peu comme Jean-Olivier Chénier, qui en 1986 a réussi à retrouver une terre bénie dans un cimetière. Mais il ne faut pas oublier que dans ces années-là, voter libéral, c'était commettre un péché mortel. C'est le ciel est bleu, l'enfer est rouge. Et il y a tout le problème de l'influence indue. On n'en parlera pas, mais des années 1870, il va y avoir des élections qui vont être annulées parce que les prêtres vont intervenir pour du haut de la chair pour inciter les gens à voter conservateurs. Et même dans la région de Joliette,
il va y avoir un procès parce que le curé, c'est le verbatim du procès a été publié. Le curé se servait de la confession pour dire aux femmes, faites en sorte que votre mari, votre conservateur, s'il vote libéral, il va aller en enfer, vous savez. Donc, les élections ont été annulées à cause de l'influence indue. Mais à ce moment-là, on se méfiait énormément. Mgr Bourget n'était pas très, très ouvert. J'irai pas plus loin. Mais je peux vous dire qu'en 1960, j'étais au congrès de fondation du mouvement de la Ligue des langues françaises à l'Université de Montréal. Oui? Oui. Ben, c'est-à-dire que le mot rouge, de fait, au début, le premier nom du Parti libéral, c'était le Parti rouge. Et il faut attendre Wilfrid Laurier, qui en 1877, dans un discours, va établir une distinction entre le libéralisme français et le libéralisme anglais. Il va dire que le libéralisme français, c'est un libéralisme doctrinaire, alors que le libéralisme anglais est un libéralisme d'ordre politique. Et qu'à ce moment-là, ce n'est pas être contre la religion que d'adhérer au Parti libéral. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir un Parti libéral beaucoup plus structuré. Mais rouge, et d'ailleurs, c'est quand on dit « le ciel est bleu, l'enfer est rouge », ça apparaît dans les années à peu près 1870. Il y avait aussi les rouges de les libéraux de La Fontaine, ou c'est un conservateur? La Fontaine était beaucoup plus libérale. À tendance libérale, même s'il n'y a pas de parti libéral à ce moment-là. C'est pas un rouge? C'est pas, non, la Fontaine n'était pas au sens strict qu'un rouge. Papineau va être classé parmi les rouges. Okay. Quand il va se présenter dans le comté de Saint-Maurice en 1848. Mais la distinction des partis est très fluide à ce moment-là. Hein? C'est pas structuré comme ça peut l'être aujourd'hui. Et on a aussi... je pense en 1878, aux alentours de 1878-1880, on va appeler les veaux. Les veaux, ce sont les gens qui quittent un parti pour aller dans l'eau. C'est pas les vieux partis, c'est pas les gens qui changent de rouge. Rouge, à ce moment-là, c'est parce qu'on référait au bonnet. J'ai l'impression que c'est le bonnet phrygien qui est des révolutionnaires français qui étaient rouges. Pardon? Georges-Étienne Cartier, votre opinion sur lui? George? Bon, c'est un père de la Confédération. Il a été co-premier ministre avec John A. Macdonald. Il va être mêlé au scandale du Pacifique en 1872. John A. Macdonald va le couillonner. En 72, parce que Cartier va aller mourir à Londres l'année suivante, en 73. Et Cartier, il est un peu... Disons que c'est un ministre à la morale un peu lâche. Il va accepter des pots de vin, entre autres, des gens là, du Canadien Pacifique, en 72. Mais en 37, on va l'appeler le petit soldat. Et il est à Saint-Antoine, il va traverser à Saint-Denis, à un moment donné, d'après la légende, il dit « je vais retourner chercher des balles », mais il ne revient pas. Ceux qu'on appelle les Rouges, là, c'est un collabo, en quelque sorte. C'est un type qui est très près du milieu anglophone. Selon vous, est-ce que George a habité la maison que le fédéral appelle la maison Georges-Étienne Cartier dans le vieux Montréal? Georges-Étienne? Oui. Il habitait là, oui. Ce que certains disent, mais c'est pas... que sa femme restait là, mais lui restait de sa maîtresse à Toronto. C'est-à-dire que elle, c'était une fable. Hein? Oui. Et le couple fonctionnait très mal. Pour dire le moins. C'est ce qui fait qu'il est jamais resté là. Mais officiellement, il restait là. Donc, son adresse légale à Montréal était là, puisqu'il représentait un comté de Montréal. Il fallait qu'il y ait un pied à terre. Mais on va les récupérer beaucoup. Hein. Quand il va revenir de Londres,
il va y avoir des funérailles grandioses. Et McDonald dira qu'il y avait un cancer du cerveau à la fin ou presque. Et Cartier sera blessé parce que en 1867, John A. McDonald va être fait chevalier et lui aura un titre inférieur, alors qu'il pensait qu'il aurait exactement le même titre que John A. McDonald. C'est un drôle de personnage. Les nationalistes canadiens-français ne l'aimaient pas beaucoup. Vous pouvez toujours continuer à l'adorer. D'ailleurs, il y a un TDS sur George. Ça s'appelait George. George, oui. Mais de fait, à Bytown, il va l'être parce qu'à un moment donné, selon la tradition, il se serait battu contre 150 Irlandais sur le pont qui reliait Hull à Bytown. Mais c'est un travailleur d'élection. Mais donc, ça serait très possible qu'il ait été contre les Patriotes dans les élections en Montréal. Je ne suis pas sûr. Je peux vérifier, mais je ne suis pas sûr. Consultez Gérard Filteau, son histoire des Patriotes. Il y a un index à la fin. Les candidats castors, c'est aux alentours de 1880 à peu près. Parce qu'il y a eu un parti, pas un parti, mais il y a eu des gens qui se sont appelés castors. Il y a des caricatures qui existent dans les journaux de l'époque. Mais c'était des. Donc, un parti. Là, je ne veux pas trop m'avancer, mais je vais trouver la réponse ici au prochain coup. Je ne sais pas tout, hein. Est-ce que c'est exact que c'est le chef de pompiers qui a mis le feu au Parlement? Non, c'est pas le chef. Les pompiers sont arrivés après. C'est-à-dire, ce qui est arrivé, c'est que au Parlement, là, au marché Sainte-Anne, c'était éclairé par des becs à gaz et les émeutiers ont lancé des roches dans les fenêtres et ça a cassé les carreaux. Et à ce moment-là, les rideaux ont frappé les becs à gaz et le feu a pris. Les pompiers sont arrivés par après, mais disons qu'ils n'ont pas été d'une grande utilité. Parce que les gens coupaient les voyous. Et il y avait juste une pompe comme ça, une pompe à bras. Mais les pompiers, le chef des pompiers qui était un anglophone, les pompiers, plusieurs étaient anglophones, ne sont pas intervenus très fortement pour essayer d'éteindre l'incendie. Et ça n'a pas pris de temps que tout a flambé. Et les pompiers étaient plus bureaucrate que sympathique à la cause des Patriotes. Par rapport à la période de turbulence, que les gouvernements qui tombaient là, à 9 en 10 ans, ça, c'était dans quel contexte qu'ils tombaient? Est-ce que c'était sur des votes de confiance? Ils n'avaient jamais à faire passer quelque chose? C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est parce qu'une des deux parties, soit dans le haut, soit dans le bas Canada, perdait la majorité sur un vote, sur un projet de loi ou sur un vote de confiance. Et à ce moment-là, dès qu'un groupe, mettons celui du bas, perdait la majorité, le gouvernement était renversé. Il n'y avait pas des élections à chaque fois, parce que le gouverneur pouvait demander à un autre de former un gouvernement, comme dans le cas d'Antoine-Aimé Dorion. On a demandé à Antoine-Aimé Dorion de former un nouveau gouvernement, et c'est celui-là qui n'a duré que 4 jours. C'était une alternance vraiment anglais-français? Non, pas nécessairement anglais-français, mais il y avait toujours. Parce qu'il y avait deux premiers ministres. Et si vous regardez dans la liste des ministères, celui qui est le premier
est le premier, est toujours le premier ministre en titre, et le second est le co-premier ministre. Parce qu'il peut arriver à un moment donné que ce soit McDonald Cartier, et après que ce soit Cartier McDonald. Parce que c'est toujours à ce moment-là le gouverneur général, c'est lui qui peut demander de former un gouvernement. Comme dans la tâche, dans la définition de tâche actuelle de la gouverneure générale, elle peut demander, au chef du parti de l'opposition de former un gouvernement sans qu'on aille nécessairement devant l'électorat, même encore aujourd'hui. Oui. Ah, non, oui. Quand, en 1967, quand le Bas-Canada est devenu le Québec, ben, qui a porté le nom de Québec, qui a décidé un peu de. Est-ce qu'il y a eu des discussions dans le Bas-Canada en disant est-ce qu'on s'appelle Québec comme la ville ou est-ce qu'on change de nom qui, dans le fond, a décidé que ça s'appelait Québec? On est retourné au titre de province de Québec, mais j'ai l'impression que c'est l'ensemble de la députation qui a décidé ça. Mais probablement que dans le British Notre-Dame-Hawke, il y a question de Province of Quebec. Oui. Donc, c'est les parlementaires britanniques qui ont accepté, qui ont approuvé, mais un nom qui a dû être proposé par la députation du Bas-Canada. Et on parlait à ce moment-là beaucoup de Canada-Est, Canada-Ouest. Oui? Moi, je voulais juste savoir l'avenir du logement, c'est l'année prochaine. Oui? C'est-à-dire qu'en 1996, moi, j'ai présidé le groupe de travail sur l'enseignement d'histoire pour le ministre de l'Éducation. Nous, on a recommandé qu'on double le nombre d'heures consacrées à l'enseignement de l'histoire et que ça soit réparti secondaire 3, secondaire 4. Nous, on voulait, ce qu'on avait suggéré, c'est qu'en secondaire 3, on voit des Autochtones à 1840 et après ça, dans secondaire 4, 1840 à aujourd'hui. Les gens du ministère ont décidé qu'en secondaire 3, on verrait toute l'histoire du Canada de façon chronologique et qu'en secondaire 4, on y reviendrait de façon thématique. Or, il y a tout le problème pas de l'occultation, mais du fait qu'on essaie peut-être d'éviter ce qui peut être contentieux. Mais déjà, ça savait dans le programme de 1984, c'était déjà apparu. J'ai vérifié dans des manuels. La bataille des plaines d'Abraham, c'est deux lignes. Les événements de 37-38, c'est même pas une page. Oui, on a donc insisté plus sur des thématiques qu'on a faites dans l'ancien programme. Ça revient encore dans secondaire 4, ce que moi j'appelle des carottes. C'est-à-dire qu'on va prendre un thème, mettons, comme le commerce, et on va le fouiller, l'évolution de parlementaire, on va en faire une structure en faisant une carotte dans le temps, mais le problème, c'est qu'on n'aura pas de vision évolutive de l'histoire du Canada. On avait demandé, nous, qu'en secondaire 5, que ce soit le Québec, le Canada et le monde, 20e siècle, on a décidé que ce serait un genre... l'initiation à l'économie, ça vient de sauter. Ça va être plus un genre de cours ni chair ni poisson sur différents sujets. Parce qu'on veut miser beaucoup sur l'éducation citoyenne, la formation du citoyen. Un peu comme l'histoire du Canada de du réalisateur à radio canadienne. Strowitz? Oui. Bien, je connais bien ce bon monsieur. Moi, j'ai dit qu'il commençait à être intéressant à partir du moment où il commence à avoir des vrais documents. Parce que dans la première émission, il y avait ensemble Cartier, Hudson et Georges Vancouver. C'est impossible. C'était beaucoup plus une vision journalistique de l'histoire qu'une vision d'historien de l'histoire du Canada. Mais il ne faut pas s'en faire. Il y a eu en 1967 une tentative de manuel unique.
En anglais, ça s'appelait Canada Unity in Diversity. Et en français, ça s'est appelé Canada Unité et Diversité. Il y a encore régulièrement des tentatives de voir installer un manuel unique. On a un colloque à Ottawa au début du mois de novembre, là, où il va être question de est-ce qu'il peut y avoir un genre de tronc commun que tous les Canadiens devraient connaître en histoire. Mais rien n'empêche que la bataille des pierres d'Abraham sera toujours une défaite pour les uns et une victoire pour les autres. Excusez-moi, pouvez-vous parler plus fort? En 1840, il y avait 150 000 anglophones et 500 000 francophones. Et dans l'Haut Canada, c'était 450 000 anglophones au complet. Donc, si on unit les deux, vous avez donc 600 000 contre à peu près 600 000. Ça s'équivaut, mais vous donnez le même nombre de députés aux 600 000 anglophones qu'aux 450 000 Canadiens. C'est 450 contre à peu près 600. Oui? Justement, une question sur ça, c'est qu'en 1867, ils ont remis leur dette à eux autres à l'Ontario? Non, non, non. Il y avait combien de populations dans l'autre Canada? Est-ce qu'il y avait plus de députés déjà? En 1867? En 1867, parce qu'il y avait plus de députés pour l'Ontario? Oui, parce que la population ontarienne était plus forte que la population bas-canadienne. Oui, c'est parce qu'on a tenu compte à ce moment-là. Pour, nous, voyez-vous, on a pris la population du Québec, on l'a divisé par 65, ça a établi le nombre de voteurs qu'il devait y avoir dans chaque circonscription électorale. On a pris la population totale de l'Ontario et on est arrivé à 84. Déjà à ce moment-là, en 1867, l'Ontario avait beaucoup plus de députés que nous, on en avait. Les Franco-ontariens... Il n'y avait pas de privilège particulier. Sauf pour les écoles séparées et religieuses. Non, je ne sais pas combien ils étaient. Le fait d'éducation aux citoyens, on veut que ça commence déjà dès le secondaire 3, mais même peut-être avant. C'est supposé pénétrer. À peu près, dès qu'on touche aux sciences humaines, on est supposé avoir un genre de préoccupation citoyenne. Mais ça vient beaucoup des programmes en France. Et moi, je suis allé en France en 1996 pour le ministère, et puis... L'idée de l'éducation, la citoyenneté, était quand même assez présente en France. À ce moment-là, nous, on ne voulait pas que ça soit mêlé à l'enseignement de l'histoire. Mais aujourd'hui, avec l'orientation qu'a pris le ministère de l'Éducation, l'éducation et la citoyenneté devient très présente. Et d'ailleurs, ça répond à un genre de préoccupation de plusieurs associations qui font des pressions. Il y a des lobbies assez forts auprès du ministère de l'Éducation. Pour revenir à la ligne 1840, j'ai entendu dire que c'est dû à une dette du Haut-Canada, peut-être 3 000, 5 000 piastres. Là, on discute entre l'autre, ce qu'on dit. Ouais, ben, il faudrait bien rembourser cette dette-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On garde au Haut-Canada son majoritaire, les francophones, on va leur refiler la dette. Fait que la meilleure façon, on va subir. Je ne sais pas si tu as une. Mais c'est-à-dire, ça, je disais tout à l'heure, c'est que la dette du Bas-Canada est de 96 000 louis. Et celle du Haut-Canada était 1 200 000 louis, faite à proportion. Et on a réparti la dette entre tous les citoyens. Donc, la majorité de la dette était remboursée par les gens du Bas-Canada. Et c'est pour ça que je disais que c'est le Bas-Canada, le Québec, qui a payé pour le développement de l'Ontario. Et encore là, c'est la Banque Baring, parce que Lord Baring était membre de la Chambre des Lords.
Et c'est lui qui a fait pression pour qu'on unisse les deux Canada, entre autres, pour être sûr d'être remboursé au niveau de la dette, parce que c'est la Banque Baring qui avait prêté beaucoup d'argent au gouvernement du Haut-Canada. Pardon? Qu'est-ce que vous voulez? C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quand on va se séparer, on va pouvoir leur donner notre dette. On va se souvenir, bon. Ça, c'est pas sûr. Ça, c'est pas sûr. Ah, mais justement, une question sans débat sur des bons d'argent parlé par rapport à la dette et l'actif. Tu sais, on entend dire que le Canada coûtait 1 milliard, que la dette du Canada, celle du Canada, c'est 600 milliards, peut-être. Le Québec, c'est 100 quelques milliards. Mais le Canada possède d'autres bâtisses, des immeubles, puis toutes sortes de choses dans la salle à l'extérieur du Canada. Puis, autrement dit, la valeur est beaucoup plus grosse. Si jamais le Québec sortit, au niveau comptable, c'est même le Canada qui devrait en remettre au Québec. Ça, c'est pas sûr. C'est-à-dire que le Canada va certainement réclamer au moins une compensation pour tous les édifices fédéraux et territoires fédéraux qui existent sur le territoire du Québec. Si le gouvernement du Québec décide de nationaliser toutes les possessions fédérales sur son territoire, il va falloir qu'il y ait un genre d'indemnisation face au gouvernement fédéral. C'est tout le problème. Est-ce que le Québec coûte plus qu'il ne rapporte au fédéral? Mais dans les possessions, le Canada, la part du Québec est de 20-25%, puis c'est une autre possession ailleurs, dans les autres provinces qui sont au nom du fédéral. Je veux dire, au Québec, ils disent que le fédéral a 18% au Québec, et alors que à l'extérieur, dans les autres provinces, ils sont beaucoup plus. Que si on fait une addition de toutes les possessions, il y a soustrait celle du Québec, mais ça paierait la dette du Québec. Mais je pense qu'on est mieux de laisser ça, parce que moi, je me rappelle, en 1970, il y avait une étude qui avait été faite, à savoir que le Québec était défavorisé dans la Confédération parce qu'on donnait plus d'argent fédéral qu'on en recevait. Mais par contre, il y a une autre étude, à peu près à la même époque, qui démontrait que le Québec recevait plus du fédéral qu'il fournissait au fédéral. C'est un jeu comptable. La dernière a été payée par le fédéral? L'autre avait été payé par le Québec. Ben, monsieur le conseiller, je tiens à vous remercier. Puis, on se donne rendez-vous dans un mois pour poursuivre avec Louis Riel et les Métis. Et puis, c'était un rendez-vous. Merci beaucoup.